tous ceux qui ne connaîtraient pas Philippe Katerine. Philippe Katerine, c'est ça. Je suis dans la merde et je vous emmerde. Danser dans les airs. Non mais ça va pas, non? Mais casse-toi là. Je vois pas que tu m'apportes une. T'arrêtes pas. J'aurais pu être votre amant. Ouais, c'est ça, ouais. Et caresser vos seins blancs. Mais je suis une merde et je vous emmerde. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on l'a connu. Et votre dernier album s'appelle Robot après tout. Et le single en promo s'appelle Luxor, j'adore. J'adore. Regardez dans ces gens. Regardez dans ces gens. J'adore, 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 j'adore. Les institutifs, les républicains, administratifs, des sinistraces, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens. J'arrive plus à l'arrêter, bravo. Luxor, j'adore. Alors, Philippe Katerine, en tournée à partir de mars, et le 21 mars à la Cigale. On va voir à quoi ça ressemble. Vous allez regarder votre caméra, celle qui a le rouge, et vous allez dire Magnéto-Serge. Un Magnéto-Serge. J'adore, 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 j'adore. Et je coupe le son. Et je remets le son. Je remets le son. J'adore, et je coupe le son. Luxor, j'adore. Extrait de Robot après tout, son nouvel album. Alors, vous dites en fait, on est tous des robots en fait. Il suffit de voir les gens s'arrêter au feu rouge. Tout le monde fait la même chose toute la journée, quoi. Oui, 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 on dit d'entrer, on rentre, on dit de sortir, on sort. C'est vrai. C'est vrai, il suffit qu'on nous dise un truc, on le fait. On est des robots de chair et de sang, mais des robots quand même, quoi. Ben, c'est pas incompatible, à mon avis. Ouais. Oui, oui. Plus on essaie... Moi, j'ai essayé d'être un robot, j'ai fait le disque avec des machines, mais je me suis aperçu qu'au fond, ça n'avait pas du tout Kraftwerk ou quoi que ce soit, c'était plutôt, c'était plutôt l'humain qui revenait au galop. Ouais. Donc, je me suis fait... Enfin, d'ailleurs, c'est ce que j'attendais au final. On est tous conditionnés par des numéros. Oui, enfin, conditionnés, je sais pas. Il y a des histoires d'amour qui commencent très vite avec des numéros. Donne-moi ton portable. Ton number. Ouais. Des fois, c'est les premiers mots de l'histoire d'amour. Ouais. Et après, c'est donne-moi ton numéro de ta carte bleue. Ça peut être les derniers numéros. Une chanson que j'aime bien sur l'album, c'est celle qui est consacrée au 11 septembre, parce que c'est « Qu'est-ce que tu faisais le 11 septembre ?» C'est en fait où tu étais le soir de la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, c'est une façon de se rassurer, parce que finalement, ils ont une histoire individuelle face aux grands événements du monde, quoi. Quand il y a des avions qui s'écrasent dans les tours, moi je suis en train de manger un sandwich sur un banc, et pourtant ça se passe au même moment. Tu t'en souviens? Si tu dis le 11 septembre, j'étais en train de manger un sandwich sur un banc. Oui, voilà. Ça te rassure en même temps. Ouais. C'était un sandwich à quoi, sans indiscrétion? Au porc. Un panini saumon, le pire. Il se rappelle bien. Une ambiance un peu welbeckienne. Ouais. Il y a une chanson où tu es poursuivi par Marine Le Pen et tu dis que c'est une histoire vraie. Oui. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé à la maison de la radio où elle devait être invitée à une autre émission politique ou je sais pas. Et puis c'est vrai, j'ai suivi une fille blonde et elle s'est retournée, c'était elle. Quelle horreur. Oui. Tu as un truc sur Marine Le Pen, tu dis, finalement c'est un être humain, quoi. C'est ma sœur, je ne lui suis pas supérieur, même si je ne suis pas d'accord avec ses opinions politiques. Je me suis posé la question, dans un, c'est vrai, si j'étais invité à un mariage où il y a Marine Le Pen qui est invitée aussi, sait-on jamais, ça peut arriver. Elle te propose une partie de ping-pong, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ouais. C'est une question. Non, c'est vrai, mais... bien sûr, c'est un être humain, bien sûr. Ouais, après il faut gagner, quoi, c'est ça l'important. Je vais lui mettre la pâtée, mais... Ouais. Mais... Voilà, c'est ça. Non, t'as un truc, c'est que tu veux pas, en fait, te sentir supérieur. Tu dis, par exemple, quand Souchon chante « On nous Paul-Loup Sulitzer », tu dis après tout qui il est pour critiquer Paul-Loup Sulitzer, quoi. Ouais, après tout, c'est ouais. Vrai, au fond. Enfin, ah, oui, c'est vrai, oui. Mais c'est vrai que chanter Marine Le Pen, c'est assez... Enfin, c'est pas un truc très glamour à enregistrer. C'est ouais. Pas des mots que tu as envie de prononcer dans une ouais. chanson. Ouais. C'est l'idée de faire une chanson vilaine, au fond, avec des choses vilaines et que, ouais. qui peuvent devenir. Oui, en même temps, tu supportes pas quand Calogero chante Tiananmen, tu dis ça me donne des frissons dans le dos, quoi. Ça... Bah parce que le mec qui s'est trouvé devant les chars, c'était pas lui, quoi, en fait. Ah, c'est sûr. Et se l'accaparer... On sait pas, faudrait revoir le document. Ouais. Je sais pas si... Bah, je sais pas pourquoi il fait ça. Pour se faire passer pour ce mec, je sais pas. Ouais. Mais... ouais, ça me déprime un peu. Ouais. Ouais. Ça se voit, hein. Moi, je l'adore parce qu'il a pas bon esprit, j'adore. Et alors, t'as fait un film aussi, Pot de cochon, c'est quoi, alors? Raconte-nous. Alors ce film, c'est un film que j'ai fait tout seul, mais enfin c'est-à-dire que je me suis occupé de la lumière, des décors, j'étais chef opérateur avec une petite DV. À ton rythme, quoi. C'est un film extrêmement lent qui peut s'accompagner de haricots verts et de saké chaud. Donc je le conseille, j'ai essayé. J'ai vu 3-4 fois ce film. Ouais. Je le conseille avec du saké chaud, c'est excellent. Un samedi soir. Au lieu de regarder, Tout le monde en parle. Je crois que c'est une solution de repli. Voilà. Comment va Helena, notre amie Helena Noguerra? Comment va-t-elle? Très bien. Elle vient nous voir ici régulièrement. Oui, je sais. Quand ta belle-sœur, elle a désolé. Quand elle vient, on lui parle de toi. Quand elle est là, on te parle d'elle. C'est la moindre des choses, c'est comme le dit Vincent. Comment elle va, alors? Très bien, j'ai dîné avec elle tout à l'heure. Ouais. Elle était en excellent état de forme. Est-ce qu'elle t'excite ou elle te dégoûte? C'est très... Enfin, je veux dire, c'est pas évident, enfin... On va voir ce qui t'excite et ce qui te dégoûte. On va faire une interview Stimulus. La dentelle, par exemple, la dentelle, ça t'excite ou ça te dégoûte? Ouais, la dentelle... Imagine Marine Le Pen en dentelle. Toujours de dos, hein. On change pas l'équipe qui gagne. Hein. Dentelle western, ouais. Ouais. Ça t'excite ou ça te dégoûte? Ça m'excite. La dentelle, ça t'excite? Bien sûr, ça m'excite. Ça t'excite? Et ça te dégoûte? Mais ça me dégoûte en même temps. Mais ça t'excite? Mais ça m'excite en même temps. Tout est mêlé, enfin c'est pas... Bon, une fille intelligente, par exemple. Une fille intelligente, Philippe. Ça te dégoûte? Ça t'excite ou ça te dégoûte? C'est répugnant. Ouais. Ça te dégoûte. Les talons aiguilles, ça t'excite ou ça te dégoûte? Les talons aiguilles? Non, ça me laisse complètement indifférent. Ah oui, ouais, pas... Tu n'aimes pas lécher les talons aiguilles, par exemple? Bon, là, calme-toi, Thierry. On va finir l'émission, après tu iras dans ta boîte. Pour l'instant, on travaille. Les poignées d'amour, ça t'excite ou ça te dégoûte? Ah, j'aime bien me les toucher, oui, à moi. Ouais. La télévision, ça t'excite ou ça te dégoûte? Ça m'excite. Pas de... Ouais. Pas d'y être, là. Mais... Non, mais là, c'est toi qui nous excite. Ah non, moi, il me dégoûte. Hein. Les odeurs corporelles, ça t'excite ou ça te dégoûte? Ça m'excite excessivement, par contre. Oui, oui, oui. Et même à les odeurs de l'intérieur du corps. Ah! Et voilà. On y est. Ça y est. Ça me fait penser au livre d'Helena. Oui, ouais, absolument. Les tatouages, ça t'excite ou ça te dégoûte? Nicolas, tu veux pas un t-shirt manche longue? Non, non, j'ai remarqué tout de suite en arrivant. Il n'a pas fini de décolorier, hein, c'est un brouillon. Hein. J'ai peut-être pas l'air, mais je suis très excité. Nicolas. Ça t'excite? Oui, je suis très excité. Nicolas t'excite. Par celui-ci. Hein. Ah. Très beau. Merci bien. Des femmes toutes nues. Ouais, 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 exactement. Monde, hein. Avec un bon sac chaud. Le samedi soir. Ouais. Entendre tes voisins faire l'amour, ça t'excite ou ça te dégoûte? Ça dépend si c'est en dessous, si c'est les voisins du dessous ou d'en dessus. Ouais. Ceux du dessus, ils sont plus excitants. Ah ouais, ça fait t'as envie de grimper, quoi. Voilà, c'est le cas de le dire, oui, bien sûr. Un transsexuel, ça t'excite ou ça te dégoûte? Réponds, Charles. Laurie, ça t'excite ou ça te dégoûte? Elle est transsexuelle. Super week-end. Super week-end, oui. J'aime énormément cette chanson. Je le dis en fermant les yeux. J'aime énormément cette chanson. Juste un super week-end. Ah. Tapotage. Ça t'excite ou ça te dégoûte, le tapotage? Ah, le tapotage, ça me plaît, moi. Porter des sous-vêtements féminins, ça t'excite ou ça te dégoûte? Eh bien, je le confesse, ce soir, oui. Ça t'excite? Oui, c'est un hobby. Tu as quoi, Thierry? Tu as quoi sur toi? Moi, je n'ai jamais de sous-vêtements, tu sais bien, Laurent, je n'en porte pas. Tu devrais le savoir depuis le temps. Je suis zappé. Lio qui vient dîner, ça t'excite ou ça te dégoûte? Ça plombe un peu la soirée. Oh bah c'est sûr, ce sera une soirée pleine de vie, d'enthousiasme, de parti pris, d'envolée. Donc ce sera forcément une bonne soirée. Vous allez parler de Bertrand Cantat, sûrement? Bah, c'est le premier sujet à aborder. Les poils partout, ça t'excite ou ça te dégoûte? Chez Lio, toujours? Non. Là, on a la santé. Il n'y a pas de... Okay. Les questions sont... Non, c'est pas les... D'accord. Bah, alors, tourne la fiche, con. Voilà. Les poils partout, ça t'excite, ça te dégoûte? Ça m'excite, oui. Ça t'excite. Oui, oui. Ah, sucer un orteil, cette... C'est peut-être mon point faible. Ah, oui. Ça t'excite bien. Ah, Vincent Delerme, ça t'excite ou ça te dégoûte? Non, je l'aime beaucoup, en fait. Ouais. Tu viens de te rendre compte maintenant. Hein. Pourquoi je dis en fait? Je l'aime énormément. À chaque fois que je le dis, je l'aime davantage. Mais tu vois, ça commence à viendre. Cette émission-là, ça t'excite ou ça te dégoûte? Bah là, j'avais une fête d'anniversaire. J'étais coupé un peu en plein vol, entre deux coupes de champagne. Ça va, la soirée suit son cours d'une façon plutôt cohérente, je crois. Cohérente. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.